Salut à toutes et à tous amis gamers, mon nom est Choi et bienvenue au Choi's Gaming Show. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre partie de Civilization 5, Brave New World au contrôle de l'Empire allemand, à la conquête du monde et plus exactement actuellement à la conquête du Maroc. Conquête qui, ma foi, se passe pas trop mal pour le moment. On a réussi à choper Salé à la dernière vidéo, qui devrait a priori réussir à tenir à ce tour-ci. Il n'y a pas trop d'unités qui pourraient venir la capturer en un tour, donc ça c'est bon. Et on a notre flotte qui est en train en plus de resserrer les taux de ce côté-là sur Marrakech. On va essayer de la choper. J'espère qu'avec 4 destroyers, ça suffira. Mais il me semblait que j'en avais un petit peu d'autres par là, ouais, si. Sachant qu'il y en a déjà un qui a pris un petit peu cher. Et donc on va devoir faire partir un petit peu en retraite. Pendant que les autres prennent les coups pour lui, voilà, au moins lui c'est fait. Lui on va peut-être le faire soigner encore un tour avant de le ramener. Sinon, qu'est-ce qu'on a de beau? On a des unités qui ont été promues ici. Donc, oui, la logistique, voilà, ça y est, on commence à avoir des bonnes unités bien promues. Toi aussi, boum, logistique. Alors, pour ceux qui se demandent, en fait, les unités à distance, le meilleur chemin d'upgrade, c'est de passer les trois barrages ou l'autre, là, pour terrain ouvert, de monter les trois comme ça le plus vite possible, et après d'aller sur logistique. En fait, c'est valable avec quasiment toutes les unités corps à corps, c'est pour choper Blitz derrière, mais en gros, une des meilleures choses à faire, bon alors c'est pas la chose unique à faire tout le temps, hein, il peut y avoir des solutions alternatives intéressantes, par exemple, il me semble que j'en ai certaines sur lesquelles j'avais mis attaque de ville avant de continuer sur cette ligne-là. Mais en gros, pourquoi on fait ça? Parce que ça, on en tire pas mal d'avantages déjà à la base. Et une fois qu'on a Blitz, on peut faire deux attaques par tour, donc deux fois plus d'expérience, donc c'est assez rapide d'obtenir d'autres améliorations. Et d'avoir des unités fumées comme celui-là, par exemple. D'ailleurs, en parlant de tout ça, bon, on va gérer ça un petit peu après. Oui, un ennemi est proche ici. Les Incas nous ont dénoncé. L'Indonésie a dénoncé le Maroc. Ok, très bien. Les Celtes ont dénoncé le Maroc. Oh, le Maroc, ils sont méchants. Bah, les Incas protègent Bratislava, pourquoi pas. Et ok, ça on avait déjà vu. Hambourg a gagné un pop, très bien, et les frontières de Bucarest se sont étendues, très bien, donc, toi t'as encore du boulot du coup. Toi t'as encore du boulot, faut que tu fasses ça, faut que t'ailles ici, faut que t'ailles là et là faire des trucs. Mais du coup on va peut-être t'envoyer un petit pote. On va probablement t'envoyer un pote, lequel est le plus près, c'est lui. Hop, toi tu vas aller travailler là-haut. Oui, ces deux unités, elles venaient par ici pour assurer l'escorte. C'est mieux de pas cliquer à côté. Pour assurer l'escorte de nos véhicules terrestres, qui devraient d'ailleurs pas tarder à se transformer en Panzer. La balistique, c'est dans 5 tours. Ici, on est en train de refaire un Panzer. L'université d'Oxford, ah oui, elle est bloquée à cause de Oujda qui devrait pas tarder à cramer. Et d'ailleurs, en parlant de ça, nous allons vendre le Colisée. Hop. Ça nous fait passer à 3 de bonheur, mais ça devrait aller. Ici, nos 3 villes sont venues dans notre empire, donc il n'y a pas de souci. On est en train de faire des bombardiers, des chasseurs. Tout va très bien. Par ici, et on va pouvoir choisir une construction à SN. SN qui vient de terminer son dépôt d'armes et qui va donc terminer sur une école militaire. Choisissons une construction à Francfort.
Caserne, dépôt d'armes. Oh, il y a aussi le château aussi qu'il faudrait faire ici. Donc on va tanker un château tout de suite. Tant qu'on y pense. Ok. Et pioup, voilà. Toi, du coup, tu vas pouvoir blitzer eux. Toi, on va pouvoir te faire passer dans le coin. Et notre artillerie va venir se mettre ici. Elle va même s'installer et tirer sur eux là-haut. Celle-ci de là peut pas tirer, par contre de là peut-être, non probablement pas, très bien, d'accord, bon bah toi tu avances de 1, on va essayer de dégager celle-là, on va aller la caler là-haut, avance-toi par ici, il y a certaines artilleries aussi qu'on va déplacer là. Celle-là, du coup, on va la faire suivre juste derrière. Pareil pour toi. Et toi, tu te cales ici sur la route. Notre tank va se caler dans le coin et va enchaîner. Nos triplans, on va les réaffecter sur Salé. Les deux. Qu'a priori, elle ne va pas tomber à ce tour-ci, la ville. Il y a peu de chance. Et ensuite, on a lui qu'on va peut-être ramener par ici. Voilà. De ce côté-ci. De ce côté-ci, comment est-ce qu'on va goupiller notre affaire On va emmener nos destroyers plutôt de ce côté-là. Qui laisse de la place pour que les frégates puissent venir s'installer et faire un joli petit pilonnage en bonne et due forme. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Toi aussi tu as 1, 2, 3. Tant pis, on va te laisser apporter, mais c'est pas trop grave. 1, 2, 3, 4. Poup. Attends, on va te mettre par là-bas. Et on va mettre notre amiral. Amiral, on va le mettre là pour qu'il couvre un maximum de monde. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir là. Toi, tu vas du coup. Peut-être est-ce qu'un mouvement. Toi, par contre. 1, 2, 3, 4. Tu vas venir là aussi et puis on te fera déplacer au prochain tour. Ok, donc vous, ça sert à rien de vous faire attaquer. Par contre, toi, on va pouvoir te faire venir par ici. Voilà, te mettre en couverture. Oh, on avait un bateau. Tu es bien là où tu es. Toi, on va pouvoir te soigner. Hey, on a volé. Pas l'orange du marchand, hein, bien entendu. Alors, cette ville, la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Bon, on a trois villes qui font partie de notre empire ici. Et il y a Salé qui est en bas. Donc je pense qu'elle, on va la laisser en ville fantoche. D'ailleurs, est-ce que ces trois-là sont en production? Oui, oui. Et oui, parfait. Du coup, Salé... Salé, salé, salé. On va peut-être la laisser en ville fantoche. Je sais pas encore, on verra. Enfin bon, il faudrait que je me décide en fait plutôt pour pouvoir déjà commencer à mettre
Des comptoirs commerciaux partout. Si je veux en faire une ville fantoche. Excellente question. Ville fantoche ou pas ville fantoche? En fait, l'avantage d'avoir une ville sur... Bon, là, c'est une ville sur le front, donc c'est bien. La question, c'est est-ce que j'en fais une vraie ville pour pouvoir construire des trucs dedans ou pas? Non, allez, on va faire une ville fantoche. Du coup, toi, bah, tu vas venir travailler ici et tu vas nous faire des comptoirs commerciaux dans tous les sens. Notre général va venir ici. Faudrait couvrir lui, donc tu vas venir là. Et voilà, hop, tout ce beau monde reste en place. Vous, vous avez terminé, on peut vous fortifier. Toi, t'as qu'à venir ici, prêt à embarquer au prochain tour. Et on va pouvoir passer au tour suivant. On a pris quelques dégâts. Oui, toi, y a pas de soucis, je veux bien te filer des trucs. Toi aussi, pareil, donne-moi ton argent. Oui, bon, t'es pas content, mais de toute façon, tu es insignifiant. Donc je m'en fiche un petit peu que tu ne sois pas content, en fait. Je m'en fiche un petit peu. Ok, alors... Il s'est passé pas mal de choses dans le coin. On a déjà la population de Berlin qui a augmenté. D'accord. Excellente nouvelle. On a Bodicier qui ne nous verse plus d'or partout. On ne fournit plus de truffes. Bon, y a plein de deals qui ont été terminés. Donc on va quand même essayer de voir tout ça. Toi. J'ai plein de trucs à te vendre. J'ai des agrumes, non pas du sel, par contre j'ai des truffes et j'ai du vin en surplus. Il me semble que j'ai du vin en surplus, ne faisons pas les cons non plus. Oui, j'ai du vin en surplus. Donc, toi, je vais t'échanger tout ça, du vin, mes truffes, mes agrumes, contre... Allez, 12, non toujours pas bon, très bien. 9 pièces d'or par tour, ça marche. Je prends... ensuite, il y a toi, Pachakutek, je veux bien te refiler des trucs, en fait. Je veux bien te refiler des trucs, de l'argent, des épices, du coton, du cuivre, des truffes et des agrumes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va nous faire donc 18 pièces d'or par tour. Merci bien. Enfin, il y a lui, qui on peut échanger. De l'encens ? C'est bien ce qui me semblait. Des truffes, donc contre 3 pièces d'or. Merci bien. Voilà, tout ça c'est fait. Les autres, non, Bodicée, je vais plus lui faire d'échange avec elle. On est à moins 1 de bonheur. Ça pose des petits problèmes. Bon, une fois que cette ville aura été cramée, ça ira mieux. Qu'est-ce qu'on va vendre? On va vendre le phare. Pioup. Parce qu'il y a Marrakech qui arrive et Marrakech ça va mettre un sacré coup au bonheur aussi, hein, je pense. Eh, on a personne qui est mort. Incroyable. Incroyable. Ok. Extension de frontières. Promotion d'unité. Oui, alors, toi tu as déjà Blitz, généralement le mieux après ça, c'est de mettre réparation. Blitz plus réparation, là ça nous fait des bonnes unités. Lui, quand il va se transformer en Panzer, oh le petit canon, oh elle est mignonne, elle a des canons encore, elle a même pas des orties, oh c'est mignon. Oh cette petite Bodicée qui croit qu'elle va pouvoir s'en sortir. Ouais. Ouais, non, bah, je vais te marcher dessus, en fait. Là, il y a tellement d'espace pour ramener tous mes trucs. Toi, tu vas clamser en 2,5 secondes, à peu près. 2,5 secondes. Lui,
début, ce sera un petit peu plus chiant parce qu'il va falloir, faire peut-être un petit peu de marche par là. Je vois, j'ai l'impression qu'il y a une grande chaîne de montagnes là. Je sais pas s'il y a trop d'accès. Puis par les terres, bon après on peut toujours faire le tour comme ça. Là, ça m'a l'air d'être un petit peu plus accessible. Parce que le truc, c'est que les bateaux, il faudrait leur refaire traverser l'intégralité de la planète pour arriver à porter ici. Donc il faudrait qu'ils partent de là et qu'ils fassent jusqu'ici. Ce qui pourrait s'avérer un petit peu long. Donc on va voir comment on fait pour choper Jakarta. On y réfléchira le temps venu. On peut adopter une doctrine, on va prendre notre dernière idéologie, voilà, qui va bien nous aider au niveau du bonheur, le militarisme. Chaque caserne, dépôt d'armes et école militaire rajoute plus de... Alors c'est du bonheur local. Donc je sais pas si dans toutes les villes ça va être utile. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la différence, hein, le bonheur local, il y a le bonheur global, qui voilà, c'est du bonheur. Le bonheur local est en fait limité par la taille de la ville. On ne peut pas avoir plus de bonheur local qu'on a de citoyens dans la ville. Donc sur une petite ville, avoir beaucoup de générations de bonheur local, ça ne sert à rien parce que c'est limité par la taille de la ville. Après, ceci dit, à chaque fois que la ville augmente, ça augmente d'un aussi le bonheur, donc les augmentations de la ville. N'ont pas une aussi grosse influence négative sur notre bonheur. Donc ça c'est important, important. C'est sympa à savoir quoi. Mais ouais, on va partir là-dessus. Ça va nous faire quand même passer à 27. On a encore de la marge, hein, comme vous pouvez le constater, hein, mais je pense qu'il y a certaines villes sur lesquelles ça arrive au maximum. Mais voilà, bon. Ça, c'est nickel, très puissant. Oui, ils veulent du crâne. Tyr a fait la paix avec la... Ça, très bien. Ici, t'as l'État qui se foutent sur la gueule. Ça me va très bien. Ensuite, il y a Québec qui veut voir Zurich malmené. Le Vatican et les Incas se sont alliés. Très bien. Vatican n'aime pas que je m'intéresse. Ah, que je fasse une intrusion sur son territoire. Il ne doit pas y avoir de verbe pour ça. Les Incas ont remplacé le Maroc comme allié de Lhasa. Hé, Lhasa, tu veux faire la paix avec moi? Oh, on y est copains. D'ailleurs, ouais, il n'y a plus personne. Qui me fait la guerre? Et ils veulent un artiste illustre. Les technologies, je suis en tête, donc eux, je devrais pouvoir les récupérer. Marchand illustre, non. Marchand illustre, non. Les technologies, toujours comme d'habitude. Ok, on va voir comment ça se goupille, la paix avec Lhasa. Tout le monde a fait la paix avec Lhasa. Lhasa, nouvelle alliance. Les Incas ont remplacé le Maroc. Oui, ça, on avait vu. Tire, nouveaux alliés. Les Incas. Qui m'ont chopé tir, ces cons. Eux, ils veulent un marchand illustre et ils veulent voir Zurich malmené, mais ça n'arrivera pas. Les Incas et les Celtes sont amis. Et bah, à la bonne heure. Soyez amis dans l'adversité, il n'y a pas de souci. Je comprends très bien. Alors, comment est-ce qu'on a obtenu la vue sur tout ça? Et comment? J'ai l'impression que d'un coup là on a eu une augmentation de notre vision des choses. Bon bah très bien. J'ai envie de dire que toi tu vas crever. Toi tu vas crever. Hey, promotion d'unité, blitzé et marche. Toi, on va t'installer ici. Et puis tu vas commencer à bombarder Tangier. Là-haut, on a des petits aéronefs. En parlant d'aéronefs, nos triplans, on va les mettre en interception. Voilà, ensuite lui, donc il va pouvoir rester là. Toi,
On va te soigner un petit peu. Maintenant, on a d'autres troupes à faire avancer. Alors, on va faire avancer nos artilleries comme ça, derrière la ligne de front. Voilà, toi, tu vas en profiter pour passer par ici. Toi, tu vas en profiter pour aller quelque part. Et le tank, est-ce qu'on peut l'emmener? Voilà, on peut l'emmener de ce côté-là. On peut l'emmener de ce côté-là. Elle, on va pouvoir l'emmener là. Et elle, on va pouvoir l'emmener juste ici. Hop. Notre général va s'avancer là comme ça. Cette artillerie, bah, on pourrait même échanger les deux comme ça. Voilà. Du coup, toi, tu restes là. Toi, tu vas pouvoir passer ici. Toi, tu passes derrière. Tu te mets sur la route. Toi, tu peux attendre. Et toi, tu vas pouvoir commencer à propager la religion de ce côté du continent. Notre frégate, voilà. Notre petite frégate qui va enfin pouvoir. Non, 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 non. Pas par là, voilà. Qui va pouvoir maintenir, enfin, maintenir, protéger un peu tout le monde. Vous avez terminé ici. Oh! Toi, on a dit tu vas aller par là-bas. Toi, tu vas venir te faire soigner ici. Hop! Pendant que ces deux-là vont retourner vers le front. Maintenant, on a plein de bombardements à faire. Piop, piop. Ces deux-là vont pouvoir s'inverser. Piop, piop. Parfait. Toi, tu vas pouvoir venir à la place d'elle. Piop. Toi, tu vas pouvoir faire. Piop. Piop. Partir à la place de elle, qu'on va pouvoir prendre. Faire piop. Toi, piop. Et toi, piop. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un bombardement. Toi, il n'y a plus besoin de te faire quoi que ce soit. Toi, tu peux rester ici. Toi, t'as fait ton travail. Toi, tu peux rester dans le coin. Toi, tu peux rester dans le coin. Et au prochain tour, Marrakech devrait tomber. Et je suis en train de réfléchir à peut-être faire la paix une fois qu'on aura chopé Marrakech. Quoique. Enfin, on va voir ce qu'il est prêt à nous donner contre la paix une fois que Marrakech sera tombé. Comme ça, on pourra bifurquer sur Édimbourg et voilà, faire ça le plus. Essayer de faire vraiment une guerre éclair sur ce continent. Voilà, on a posé pied et blah, blah, on bouffe tout comme ça en 2 secondes et ça marche nickel. Vive les conquêtes. Alors, toi, tu n'as plus rien à faire. Toi, on peut t'installer, on peut même te faire commencer à bombarder. Toi, t'as du déplacement. T'as du déplacement. Alors, le truc, c'est que si on en met ici, à partir d'ici, c'est plus bon. Faudra en penser à en mettre une là. Je pense qu'une des deux, là, va bifurquer comme ça. Une de ces deux-là. Ou alors, peut-être. Non, elle ne peut pas. Donc, c'est très bien. Toi, tu peux rester là. Toi, tu peux rester là. Toi, tu peux rester là, du coup. Sauf si non, hop, très bien. Et on va terminer ce tour. Monsieur envoie des troupes. Moi aussi envoie des petites troupes, des petites cavaleries berbères. C'est parfait. Alors,
On a plein de populations qui ont augmenté. Washington, Machu, Cusco, Corinua, Raichina. Et on a aussi... ouais, donc Washington, on l'a déjà vu. Les promotions d'unité. Toi, on va te mettre en choc, tant qu'on y est. Toi, on va te mettre en bombardement. Toi... on va te mettre en exercice. Et toi, on va te mettre barrage 3. Voilà. Vous voyez, celle-là, par exemple, je lui avais mis salve. Pour une raison X ou Y, je lui avais mis salve. Ahmed Al-Mansour a fait la paix avec tir. Singapour vers le Vatican malmené. Là, ça veut se convertir au tchouisme, ça arrivera peut-être un jour. Buenos Aires cherche la science et Singapour n'a plus besoin d'investisseurs. Mais ils veulent voir le Vatican malmené, ce qui n'arrivera pas de sitôt, laissez-moi vous le dire. Cusco a terminé un bombardier de la Grande Guerre. Est-ce qu'on continue à sortir ce genre de truc ou est-ce qu'on glisse quand même quelques petits bâtiments utiles? On va peut-être glisser des trucs genre monuments, bibliothèques et usines avant de continuer à construire des avions à Cusco. Sur Hambourg, on vient de terminer le véhicule terrestre. On va pouvoir passer peut-être à l'université d'Oxford. Munich serait plus rapide ou pas? 11 tours. Berlin 8 tours, mais plus les 3 pour le Pro A, ça fait 11 tours. Et toi, 15 tours. Bon, bah très bien. Hambourg, tu nous fais l'université d'Oxford. Et tu te magnes le fion. Oh, là aussi, il y a des trucs à faire, attendez. Là, il y a une mine. Je vois une mine. Qui mérite construction. Ce que nous allons faire immédiatement. De ce pas. Ok, alors. Commencer par ici. Le chemin m'a l'air relativement libre, donc on va pouvoir traverser sans trop de soucis. C'est quoi cet ouvrier? Qu'est-ce qu'il fait là? Oui... Alors... Là-dessus, on va loquer les grosses cases quand même de nourriture. Voilà, histoire qu'il fasse pas n'importe quoi. On va faire une ferme ici. Fais-nous une mine ici. Toi, ton boulot est fini là. Tu vas partir là-haut. On a encore des constructions à choisir, donc on va faire ça avant de continuer le reste du tour. Véhicule terrestre terminé. Bon bah... Je crois qu'on va continuer, hein. On va continuer, mais avec quoi? On va continuer les véhicules terrestres. Pour pouvoir avoir une armée de panzers le moment venu. Oui, alors par ici. On va... On va direct commencer avec Tangier à la... Oh la vache! Bah ouais, tiens toi, voilà. Alors par contre, lui c'est un missionnaire de pas de ma religion. On peut pas avoir la religion qu'ils ont. Huh.
Ouais. Donc il faudra le buter lui, parce qu'il n'était pas à nous à la base. Alors, par contre, ces unités berbères ont des... ont quelques... Elles sont pas mauvaises. Oui, on va peut-être envoyer nos tanks. Où est-ce qu'on en a d'autres, des tanks? On a que ceux-là? Ah non, on en a un autre qui est en train de se soigner là-bas. Peut-être pouvoir faire ce blurf là, comme ça. Spouette. Là, on va pouvoir faire spouette. Là, toi, on va pouvoir t'amener. Ah non, pas ici, parce que là, t'as porté de Warzazat. Ceci dit, ça devrait pas trop être un problème. Je pense que tu devrais pouvoir en coquer. On va éviter les conneries. Tu peux pas vraiment dégager où que ce soit. Toi, par contre, on peut te faire faire un... double attaque sur eux. Ah bah non, une seule attaque. Ça ira. Toi, par contre, on va pouvoir te faire t'installer et tirer un premier coup. Et ouais, bon, si lui, il pouvait dégager de la case, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait beaucoup même. Ah non, t'as plus assez de déplacement. C'est celle-là en fait qu'on devrait amener ici, qui normalement devrait avoir assez de déplacement pour s'installer et se débarrasser de cette unité. Voilà, impeccable. Là, tu couvres lui, tu couvres pas lui, tu couvres pas lui, donc on va te faire avancer encore d'un cran, toi. Voilà, comme ça c'est nickel. Toi, on a dit qu'on te laissait ici. Notre bombardier de la Grande Guerre, on va le réaffecter ici. Et nos petits tanks, il est l'heure de traverser. Toi, tu venais faire des choses dans le coin. Ce véhicule terrestre va traverser tout le continent. Comme d'habitude, toi t'avais terminé une mine là, il faut que tu nous fasses quelque chose ici, je ne sais pas quoi encore. Bon. Alors le truc c'est qu'il va falloir faire un petit peu de place dans le coin. Donc on va t'emmener là-bas toi. Et là, on va faire ça, 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 on va donner un peu d'expérience à tout le monde. En fait, c'est pas tout à fait prêt de tomber. J'ai mal goupillé mon coup là. Toc. On va continuer comme ça, voilà. Vous deux, on va vous interchanger. Toi, tu vas même continuer à partir par là. Toi, t'as qu'à rester dans le coin, rester dans le coin. Toi, t'avances en support. Marrakech tombera, j'ai dit. Marrakech tombera. Et Tangier aussi, du coup. Ouais, non, toi, tu peux pas attaquer encore, donc tu restes ici. On avait dit qu'il fallait faire passer une artillerie dans le coin. Pour la caler là. L'autre va suivre ses potes par là. Et ce tank va aller par ici. Notre amiral couvre plus ou moins tout le monde. En fait, je viens de penser. Il y a des choses comme ça. Hey! Ça, c'est les bateaux, hein. Je viens de penser qu'il y avait ça aussi là, voilà, dont on va pouvoir s'occuper. Ah bah non, pas tout de suite en fait. Toi tu vas pouvoir t'occuper de lui.
toi, annule ton truc. Est-ce que toi... Non, t'auras pas la portée nécessaire. Reviens par ici. Sauf que tu as logistique, toi. Voilà l'avantage de la logistique. Ça te permet de faire ce genre de choses. Par contre, vu que là on a dégagé quelqu'un, peut-être toi en fait on va te laisser en dehors, comme ça on va pouvoir amener elle ici et faire au moins une attaque avec toi. Du coup, non, tu restes là. Toi, tu restes là. Toi, tu. Oh putain. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu pourras rester ici à glander. Toi, commence déjà à te barrer. Tour sûr. Oh non!